L'uranium dans tous ses états. Bonjour, je suis Oran. Et moi, c'est Niom. Enchantée. Petite question. Connais-tu le cycle du combustible nucléaire? On va t'expliquer. Woohoo! Tout commence dans les mines où le minerai est extrait. En sortant de la mine, le minerai est concassé, broyé et traité chimiquement. Cool! Je deviens de la poudre d'or. Et voici un concentré d'uranium naturel, le Yellow Cake. Attention, hein, je ne suis pas comestible, c'est pour le transport. Quel rabat-joie! Évidemment, tu vas être expédié à l'usine de Malvésie pour te refaire une beauté. Ha! À Malvésie, on t'ajoute 4 atomes de fluor. Oh, le fluor, je connais! C'est dans mon dentifrice! Au Tricastin, on t'ajoute 2 atomes de fluor supplémentaires. Voilà! Tu es maintenant parfait pour être enrichi. Hey, j'ai grave la classe. Maintenant, place à l'enrichissement. Attache ta ceinture, tu vas passer à la centrifugeuse. Tu es ensuite refroidi, cristallisé et conditionné en cylindre. C'était plutôt marrant. Pas étonnant. Tu es enrichi en uranium 235 pour libérer beaucoup d'énergie. Rends-toi compte, 100 grammes d'uranium équivalent en énergie à une tonne de pétrole. Je suis une pastille très puissante et survitaminée. Ensuite, tu pars pour la phase de fabrication. Pourquoi je ressemble à un stylo? Parce que c'est ce qu'on appelle un crayon. C'est l'assemblage de crayons qui forme le combustible pour les réacteurs des centrales. Ce réacteur va t'accueillir 4 à 5 ans, mon cher Niom. Ensuite, on va venir te récupérer pour te recycler. C'est cosy. En réalité, tu es constitué de 96% de matière réutilisable. Les copains disent que je suis usé. C'est moche. Mais non. Tu vas même profiter d'une petite séance de spa de 7 ans environ dans une piscine de refroidissement à La Hague. 95% de ton uranium sont transformés en uranium de retraitement. Et le 1% de plutonium que tu as généré en réacteur va être transformé en MOX. C'est quoi le MOX? C'est du combustible recyclé qui va repartir en centrale. La boucle est bouclée. Coucou! Sais-tu qu'une ampoule sur 10 alimentée par le nucléaire provient du MOX? Ok. 95 plus 1 égale 96. Et où sont les 4% restants? Ce sont les déchets ultimes qui sont conditionnés et entreposés en toute sécurité avant leur stockage définitif à Cigéo. Soit l'équivalent du poids d'une pièce de 20 centimes d'euros par habitant par an. Eh ben, quel exploit! Je suis épuisée. N'est-ce pas passionnant? On espère que le voyage t'a plu. La grande aventure de l'uranium n'attend que toi.